Bonjour Margot, bonjour Mofida. Écoutez, j'ai tenu à vous faire cette vidéo pour vous témoigner toute ma gratitude. C'est vrai Margot que je te suis depuis quelques temps maintenant, ça fait bien au moins 2-3 ans facile. Au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette nana? Mais elle est complètement mais décalée. Et j'adore ta façon d'être, j'adore ta philosophie, aussi bien au niveau perso que pro. Donc, comme beaucoup maintenant, je me suis dit, pourquoi pas ne pas me lancer dans le business sur le digital. Et donc, j'ai commencé à créer ma formation pour devenir décoratrice d'intérieur. Et bien, à un moment donné, je me suis sentie, on va dire, un petit peu bloquée. Je ne savais pas trop si c'était bon, si c'était pas bon, si je devais vraiment persister ou pas. Donc, j'avais pas envie d'abandonner. Mais c'est vrai que j'étais un peu seule sur ce projet. J'avais besoin d'avoir quelqu'un qui puisse, un, d'abord me secouer, et puis surtout, qui puisse me donner un soutien pour me dire si oui ou non, j'étais bien sur la bonne voie, si j'étais pas complètement à côté de la plaque. Bref, donc je me suis retournée, donc je me suis tournée vers toi exactement, et j'ai répondu à une de tes prestations qui était donc de demander un coaching. Tu as eu, alors je ne sais pas si vraiment tu l'as fait exprès ou pas, en tout cas la coach que tu m'as envoyée, qui s'appelle Mufida, elle est top et elle m'a tout de suite comprise, elle a tout de suite compris comment je fonctionnais, quelle était l'urgence on va dire, de mon désarroi, et elle a su tout de suite me guider, me donner les bons axes. Sincèrement, elle est top. Donc je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou pas, parce que je sais qu'on a échangé toutes les deux par Instagram, par mail et tout. Est-ce que voilà, tu avais déjà ce pressentiment ou pas? En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, je peux te dire qu'elle est top. J'adore ma coach. On est encore en communication toutes les deux. Dès que je ferai mes premières ventes, je me suis promise d'aller la voir. Elle habite dans le Nord et d'aller la voir pour lui offrir un café pour la remercier. De toute façon, vente ou pas vente, de toute façon, j'ai déjà fait une vente, donc je sais que ça fonctionne. Et sincèrement, merci, franchement, merci de ton dynamisme, merci de ta vision, merci de ta philosophie, ça fait du bien à entendre. Et merci à Moufida, merci d'être là à mes côtés. Je sais que je peux te déranger à n'importe quel moment. Il est vrai qu'au début, les gens ils disent ça et puis on dit ouais, enfin bref, non. Mufida, une fois je l'ai appelée, c'était un samedi soir. J'ai été vraiment en panique et elle a répondu. Elle a tout de suite pris mon appel. Ça n'a pas duré longtemps parce que je suis quelqu'un qui ne perd pas son temps et qui ne parle pas énormément. Malgré que là, je suis en train de te faire une vidéo, mais assez longue, mais tant pis. En tout cas, merci Mufida. Merci Margot. Vous êtes franchement toutes deux géniales. Je suis heureuse actuellement parce que ma formation, elle est finie, elle est créée et elle est topissime. Il y a une grande valeur, Mofila me l'a encore confirmé, elle est même surprise de tout ce côté très sérieux et de toute la valeur que j'ai mise dedans. Donc merci à toutes les deux, vous êtes géniales. Je sais que Mofila, je vais la rencontrer, ne serait-ce que pour la remercier d'avoir été là à mes côtés, et elle est encore là. Donc c'est pour vraiment dire aux personnes qui prennent un coaching avec toi, Margot, ou ton équipe, c'est vraiment des pros. Toi, j'espère qu'un jour on se rencontrera. J'espère que j'aurai l'occasion de venir peut-être en Suisse et j'espère que tu accepteras que je t'offre un café. En tout cas, si je peux assister à un de tes séminaires, et c'est vrai qu'avec ce Covid, c'est compliqué, mais je ne perds pas espoir de te rencontrer un jour car t'es une femme exceptionnelle. J'adore les nanas comme ça, les femmes de tête, comme je dis. En tout cas, toutes les deux, Mufida, Margot, je vous dis merci et au plaisir de vous rencontrer.